Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo shopping. J'ai été faire du shopping. J'adore le shopping. Donc je suis passée par plusieurs magasins. J'ai H&M, j'ai Kiabi, j'ai trouvé trois bricoles à Lidl et je suis passée au magasin. D'abord je vous montre ma petite box Sisley que j'ai reçue comme je vous l'avais montré, c'était le mois dernier dans ma vidéo création. Tous les mois je suis abonnée à Sisley, donc ça m'a coûté je crois 35 €, je ne sais plus, hein. Brigitte elle le sait, elle me l'a dit, mais moi je ne me rappelle plus. Ça va être 35 € pour 6 mois, et en fait tous les mois ils vous envoient ça sous forme de box, dans un petit pochon. Ce mois-ci il est très très sympa, et c'est des miniatures en fait, c'est des échantillons. Mais bon, Sisley c'est une marque bien chère, et je suis bien contente de la tester en échantillon, surtout que ça me revient à peu près à 5 balles par mois, donc franchement rien du tout. Donc vos offres exclusives beauté, vous avez toujours ça. Comme je suis abonnée, je peux bénéficier du doublage de points si j'achète des produits sur leur site, mais bon c'est hors de prix. Vous avez le petit menu, donc ce mois-ci Beauty in the City, retour à la vie citadine, laissez les essentiels beauté Sisley adoucir votre rentrée. Donc c'est la box de septembre, hein, que j'ai reçue à la fin du mois, mais que je montre que maintenant. Donc dedans il y a un lait démaquillant à la sauge, masque éclat express, all day all year, instant éclat eau de Sisley 3. Donc voilà, dans un très 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 joli pochon, je vous montre vite fait, hein. Franchement il est très sympa, j'aime bien. Donc par contre, ils vous font remplir un profil beauté, mais ils ne respectent pas le profil beauté. Parce que moi, le lait démaquillant que j'ai reçu, c'est pour peau grasse, peau mixte à grasse. Donc voilà, ça va, hein, c'est quand même un petit format très 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 sympa. Émulsion fluide, élimine le maquillage, les impuretés, les excès de sébum. Purifie et adoucit l'épiderme. Donc un petit démaquillant. Ensuite, j'ai eu une base lumière, Instant Glow Primer. Soit un booster d'éclat hydratant, énergisant, illumine lisse et unifie le teint, s'applique en base de maquillage ou en illumineur sur les bombées du visage. Ensuite, j'ai eu un masque éclat express, nettoyant à l'argile rouge, formule intensive. Nettoie en profondeur, élimine les impuretés qui ternissent le teint, donne un coup d'éclat instantané, laisse agir 3 à 5 minutes, puis rince à l'eau tiède. Très fan, j'aime bien. Soin essentiel de jour anti-âge, soin de jour anti-âge, rides et ridules atténuées, peau éclatante densifiée et lissée. Et pour finir, j'ai eu une eau de Sisley, donc c'est une petite eau de toilette. Florale joyeuse, fusante et transparente, troublante et addictive. Donc moi j'ai le numéro 3, apparemment il y a 3 eaux de Sisley différentes. Donc moi j'ai la numéro 3. Donc voilà, c'en était tout pour cette petite box Sisley. Comme je vous dis, je ne voulais pas montrer avant parce que je l'ai reçue à la fin du mois. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous présente tout de suite. Donc nous allons commencer par Kiabi. Je suis juste tombée sur ce super petit jean noir 38. J'ai pris un peu des fesses, hein, à force de bouffer des cacahuètes au chocolat chez Action. Donc 38, donc c'est un super skinny. Taille haute, franchement il est sympa, je suis fan des skinny. Pendant les soldes j'en ai acheté un à H&M que j'adore, je le porte tout le temps, tout le temps. Là j'étais voir sur le site de H&M pour voir si j'arrivais à en avoir un. Moi j'en veux un neige, donc c'est un peu noir moucheté blanc comme on avait quand on était jeune. J'en avais plein de ces jeans-là avec des patchs, j'avais su, je les aurais gardés. 37 € le bazar. Donc celui-là c'est simple, je l'ai payé 10 €. Hein, donc, hop. Et c'est tout ce que j'ai pris à Kiabi. Kiabi c'est bien pour les gosses, moi j'y trouve rarement des choses. Donc on va passer à H&M. Donc H&M pareil, un seul petit article, j'ai acheté sur internet. J'ai un H&M qui a ouvert dans ma galerie de géants, donc pour les aminoises ou pour les longossoises, parce qu'ici à Longo on dit des longossois. Je voulais faire un vlog à l'intérieur pour l'ouverture, je me suis pointée, il était 9h30 du matin, et en fait le magasin il ouvre à 11h, il y avait déjà un monde fou devant le H&M. Donc il est plus petit que celui qui est en centre-ville, mais je vais aller faire un tour parce que franchement il a l'air super bien. Et juste à côté du H&M ils ont ouvert un magasin, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle New Yorker. Donc c'est le même genre que H&M en fait, mais j'ai vu des vêtements assez classe, surtout pour Siam qui lui adore ce genre de magasin. Donc c'est simple, j'ai commandé un pull homme, en rayon homme, hein, donc XS, il n'y a pas le prix mais j'ai dû le payer 15 € je crois. Je suis tombée sur une super affaire parce qu'il était à moins 50% et j'ai eu 10% en plus et les frais de port gratuits. Donc voilà, il est tout noir, hein. Il est tout simple. Moi j'aime bien ce genre de pull. Moi j'ai une garde-robe assez basique en fait. Assez basique, oui. Et en même temps j'ai des trucs assez bizarres qui me correspondent pas. Mais que j'aime bien et que je collectionne en fait. C'est comme je suis... la poste. Je suis très très fan des chaussures à hauteur. Avec des talons aiguilles. J'adore les chaussures.
Je suis incapable de les porter. Mais limite, je les collectionnerai juste pour les regarder, quoi. Donc, un petit pull, c'est pareil, je vous le ferai partager. Donc, ensuite, on passe à Adopt. J'ai un petit magasin Adopt qui a ouvert pareil dans la galerie marchande de Géant. Donc, avant, je rentrais dans le Géant et ils avaient un petit stand où je pouvais choisir les parfums. Et donc, ils ont carrément ouvert un parfum Adopt. Et donc, je suis arrivée, la toute jeune fille, elle était toute seule. Donc je choisis les parfums et tout, ils avaient des bijoux, la boutique est très aérée, très lumineuse, je commence à prendre des photos et là il y a Lucille qui passe juste devant et qui me regarde comme ça. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de prendre des photos. Et donc je choisis mes petits parfums et donc du coup la nana elle me demande si je veux rentrer dans leur fichier client et puis je dis oui parce que de toute façon c'est un magasin où je vais aller, je suis très fan moi des Adopt. Je cherchais les palettes de Sandrea mais elles n'y étaient pas, ils avaient d'autres palettes mais pas celle-ci. Et elle me dit ah mais vous êtes née en octobre, et je dis oui je suis née en octobre. Et ben vous repassez en octobre, vous aurez un parfum Adopt gratuit. Donc en fait je vais devoir y aller pour aller chercher mon parfum gratuit que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc les parfums à l'unité sont à 7,95 parce que ce sont des éditions, nouvelles éditions en fait qu'ils ont sorties, je ne sais pas. Parce qu'il me semblait que je l'ai payé 6,90 moi. Donc j'ai une fois, j'allais voir, tiens, s'il y a une différence de prix. J'ai pas pensé, c'est possible qu'il y ait une différence de prix entre le magasin et Géant où ils les vendent. Donc j'ai repris le musc blanc. Et, ça, c'est mon préféré de tous les temps. Ça, je veux pas dire moi et le musc. Ah oh, ouais. J'adore cette odeur. Moi, je suis fan du musc de. Du white musk de Body Shop, mais qui est hors de prix, hein. Franchement, la petite bouteille, je crois, c'est 37 balles, donc voilà, quoi. Celui-là, au pire, il existe en très très grande bouteille, et je sais pas si vous voyez, voilà, ce sont des éditions limitées, parce qu'elles sont pailletées à l'intérieur, en fait, parce que moi, j'en ai un qui s'appelle Musk, blanc, mais qui est pas pailleté, c'est peut-être pour ça, je les ai payés un peu plus cher, et donc, du coup, j'ai pris le Lady Glitter, qui est pareil, il est pailleté à l'intérieur, franchement, il est très très sympa. Je vais sentir la cocotte, moi, en sortant d'ici. Je ne sais plus, je les ai sentis en magasin, mais... Ouais. Alors, celui-là, sent le trésor de Lancôme. Et je sais pas si vous voyez, non, ça se voit pas. Ça laisse des légères paillettes... Ah, on verra pas la lumière. Ça laisse des légères paillettes sur la peau, en fait. Et franchement, je suis en train de m'amuser avec l'éclairage de mon fils. Il a jeté ce genre de truc, là. Donc je le mets en dessous pour essayer de donner un peu de lumière. Le truc qui clignote. Donc voilà, deux petits parfums Adopt et j'y retourne samedi donc pour reprendre mon parfum gratuit en fait. Et je sais que pour mon anniversaire, je sais pas si je vais la poster avant ou après mes cadeaux d'anniversaire. Je vais essayer de la poster avant. Minou, donc Siam, il a été me chercher des petits trucs. Donc on passe à Lidl. Donc j'ai trouvé quelques petites nouveautés chez Lidl, dont des nouveautés make-up. On y va, elles sont toutes là. C'est que des teintes que j'avais pas. J'étais trop contente. Franchement. Hop et hop. On commence par les... ça fait du bruit. Par les vernis à ongles. Donc les vernis à ongles font partie de la nouvelle collection. Donc c'est la connexion Glossy Gel Look. Donc apparemment c'est des vernis gel. Donc du coup... j'ai pris le Mystical. Elle veut pas faire la mise au point. Allez, fais la mise au point. Le Mystical Red. Bon, il veut pas. Donc, le rouge mystique. Ensuite, j'ai pris le Black Cherry. C'est bof bof. Hein. Donc, c'est pareil. Bon, je ne sais pas quand ouvert, je ne sais pas quand tester. Comme je vous dis, j'attends toujours vernis à ongles à effet gel. Donc, voilà, ils disent bien ça. Glossy, donc avec un fini un petit peu brillant. Et j'ai pris le Top Coat qui va avec. Ça c'est pareil, je les use à vitesse grand V. Donc trois petits vernis, je vous intercale tous les prix en vidéo, mais il me semble que c'est 1,99€. Et ensuite j'ai trouvé ces merveilles. Je croyais pas que j'arriverais à compléter ma collection avec autant de couleurs différentes. Ça c'est que des colis, c'est que des trucs que j'ai pas. J'aurais dû tous les ouvrir avant. Donc j'ai pris Central Park et Alexandra. Alexandra Hutt, une de mes abonnées qui me dit sur Lidl, sur Instagram, Lidl a sorti une collection New York, Sex and the City, mais je crois que c'est celle-ci, parce qu'ils ont tous des noms de Central Park, Little Italy, City Break, New York State of Mind, Chinatown. Oh, bah j'ai 2,31, tiens, j'ai pris deux fois le même. Oh, c'est pas grave, je donnerai à quelqu'un. Chinatown et Chinatown. Donc, c'est peut-être celle-là, la fameuse collection New York, Sex and the City. Donc on y va, on va tenter de les ouvrir pour faire des swatchs. Donc c'est pareil, toujours 1,99€.
Avant, je regardais un peu les couleurs, mais là, finalement, voilà, comme je sais que je vais les collectionner, je serais peut-être en accéléré sur la vidéo. Hop, donc, celui-ci, donc le numéro 31 Chinatown, qui est un petit peu. Voilà, qui se présente comme ceci. Très sympatoche. Je suis fan. Bientôt la revue make-up sienne. C'est parce que j'ai pas encore eu le temps de la faire en fait. Là, en ce moment, on est débordé. On est débordé en fait. Je vous mens pas. Donc le 38, le 28, Central Park, qui est un nude. Qui est franchement est pas trop mal non plus. Ensuite, j'ai pris le 26 New York State of Mind. Qui me rappelle une chanson d'Alicia Keys. Qui tourne un petit peu plus vers hop, un rouge, un bois de rose. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Voilà, ça reste dans les mêmes coloris. C'est pareil, hein, j'en porte un que j'aime bien de chez Lidl. Moi, je suis dingo de ça. J'ai le 29 qui est Little Italy. Je vais me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte SD. Oh là 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 là, ça me gaffe de ne pas avoir pensé à enlever encore les emballages. Bon, on va faire comme ça. Donc, Little Italy, qui est vraiment ressemble plus à un corail. Ouais. Je vais essayer. Voilà. Un petit corail. Et enfin, pour finir, le 27 City Break. Levez la main, ceux comme moi qui galèrent pour enlever les emballages des produits. Zut! Et donc celui-ci, donc le City Break, c'est pareil, c'est un nude un peu rosé. Oh, qui a une très forte pigmentation. J'ai à peine appuyé que tout est parti. Donc voilà, des petites nouveautés. Color Lip Butter, Silky Balm et Gloss de la marque Sienne à 1,99 que vous pouvez retrouver chez Lidl. C'était tout pour cette courte vidéo shopping, mais comme ça, hop, je vais tout ranger, je vais pouvoir tout porter. Un petit pouce, un petit comme sympa, ça me ferait très très plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!